Salut à tous, je suis Sylvie, dit Sylvette. Je suis une ch'ti, à Perpignan depuis 25 ans, mariée, avec 4 chiens. Fan de rando et de nature, j'ai eu de la chance d'intégrer Décathlon Perpignan depuis 17 ans, au rayon rando. Je suis fan des produits Quechua, suivez mes pas et découvrez ma passion pour la rando. Salut, moi c'est Paul, j'ai 31 ans. Passionné de sport de glisse, c'est en pratiquant le skateboard que je trouve mon équilibre. À Decathlon ou au skatepark, je suis fan des produits Oxelo. Ride avec moi et suis mes épisodes. Bonjour, je suis Cathy, mémoire vivante de Decathlon Perpignan où je suis rentrée il y a maintenant 30 ans. Je suis fan de mon métier car il me permet de vivre ma passion pour la course à pied et le trail. Je suis fan des produits Kalenji. Je vais vous faire partager mes expériences, mes rencontres, mes joies, mes échanges. Allez, on y va! Guillaume, je peux te poser des questions? Tu sais, je t'avais proposé d'essayer la Run Light. Je l'ai essayé, alors, le soir alors, même. À Kikoulio, wow. Ouais, à Kikoulio, parce qu'il y avait, Kikoulio en lumière, là, ouais. Tu sais. Ouais. Et donc, j'y suis allé à 20h avec mon épouse et les gamins. Et ouais. J'y suis allé en tenue pour entrer à Argelès en courant. Ouais. Voilà. Et donc, c'est super, sauf que je ne l'ai pas bien réglé, pas assez serré. Ah. Donc, il faut faire attention quand on le vend. Ouais. À bien le serrer pour qu'il soit bien calé sur le plexus. Ouais. D'accord. Donc il a un peu bougé. Ouais. Par contre, j'avais aussi emmené une frontale pour voir la différence. Ouais. D'accord. Ouh, et à un moment, j'ai éteint exprès le comment il s'appelle ? Le Run Light. Le Run Light, c'est ce qui me semblait. Ouais. Pour essayer avec la frontale, et j'ai pas tenu 2 secondes. Et j'ai dit, ben non, à la frontale, comment je faisais pour courir avant ? Et on peut plus courir à la frontale une fois qu'on l'a essayé. D'accord. Et donc je l'ai réglé chez moi pour bien voir qu'il pouvait ne pas bouger. Et je devais le réessayer hier et j'ai pas eu le temps. Bon, eh ben, donc je vais suite le réessayer. Au prochain épisode. Suite au prochain épisode. Merci bien Guillaume. Sûr. Ciao. Et voilà, donc j'arrive à la remise des prix du challenge. Donc je vais rencontrer plein de personnes que je connais. Donc Décathlon est présent partout. Donc je vais rencontrer Eric, voilà, et avec mon petit gilet, voilà, je rentre et je vais rencontrer plein de gens. Et voilà. Ça va? Tu vas bien? Alors je suis avec Paquita, qui est une coureuse depuis des années, qu'on se connaît depuis des années, et qui est là à la remise des prix du challenge, nous sommes autour. Bon, ça fait 25 ans. 25 ans qu'elle est lourde, donc je suis très contente de la voir. Donc, voilà. Elle me dépasse de beaucoup, hein. Elle est une coquine. Hein. Tu es en train de me filmer? Non. Ah bon, dis donc, t'as un gros plan comme ça? Non, on croit que c'est gros plan, mais c'est pas avec gros plan. Avec toutes mes rides. c'est mon club où je pratique la course à pied avec eux, donc ça fait pas longtemps que j'y suis en fait. Ça fait 2 ans, mais c'est un club qui est vraiment super parce qu'il est très très dynamique, il y a une super ambiance, il y a tous les niveaux, et tous les niveaux en fait partagent et courent ensemble. Voilà, il y a beaucoup de sorties qui sont organisées, il y a vraiment un gros engouement avec ce club, il est très visible avec les maillots bleus, là sur toutes les courses, on voit, je trouve que c'est super. Voilà. La musique de Célimène, c'est Célimène. Je vais voir Monsieur Pierre Sablé qui est un grand champion sportif qui a 82 ans, a fait le marathon de New York qui a gagné, qui a fait le Canigou cette année à 82 ans. Donc, bonjour, ça va? Ouais. Bon, merci d'être venu me voir. Tu as la forme? Hey, vous avez ce journal aujourd'hui? Ah, j'ai pas lu l'indépendant. Il y a toute la page derrière des premiers. Ah, d'accord, de toute catégorie là. Voilà, comme je vous avais dit, je voulais vous féliciter. Voilà, je voulais vous offrir une veste Kalenji imperméable puisque c'est un grand sportif, il a vraiment fait beaucoup de choses. Et donc j'avais envie de lui faire un petit cadeau personnel. Voilà. D'accord. Ouais. Bien. Voilà, donc en fait, on voulait vous offrir une veste. C'est sympa ça. 100% imperméable, hein. Ouais. Super technique, c'est une super veste technique. Hein. 100% imperméable, très très légère. S'il y a une course où il pleut, j'y vais. Ouais. Non mais il y en a deux depuis 5 ans. New York, hein, c'est tous les 5 ans qu'on est. C'est mieux qu'ici, c'est tous les 10 ans, là, hein, les catégories. Depuis 5 ans, c'est toujours Manfred Ritter, celui que j'ai battu là, qui est à la médaille d'or. Bon,
correspondait au club. Ça fait une dizaine d'années. Ouais, et puis ils viennent souvent voir Stéphane, Laurence, voilà. Au rayon. Hein, on se connaît depuis. C'est un client très fidèle. Oui, mais je suis blessée là. Super. Oh. Ah ouais, j'ai une aponevrosite plantaire. Oh là là. Mais bon, le coureur, hein, c'est ce que c'est. Ah non, mais c'est ça, on a toujours quelque chose. Ouais, mais bon. Moi, j'y pense pas parce qu'une fois qu'on a passé 80 ans, on n'a plus de problème nulle part. C'est ça. On se dépêche de courir pour pas revieillir, alors on y va. C'est ça. Voilà. Bon, ben, arrivé à la Madeloc. Petite pause de détente.